appelez? Bon, je m'appelle Madame Kral de l'ONG Group. Je suis responsable du plaidoyer. Et nous avons organisé ce matin un CRD ici à Louga pour vraiment échanger avec tous les acteurs et toutes les parties prenantes sur l'arrêté interministériel portant réglementation du transport par des véhicules à traction animale. Pourquoi cet atelier? Parce qu'ici à Louga, nous avons constaté qu'il y a vraiment beaucoup de cas de maltraitance et beaucoup d'accidents liés à la circulation automobile. Donc, on s'est dit que nous avons le devoir vraiment de sensibiliser davantage les acteurs sur cet arrêté pour que tous les acteurs soient au même niveau d'information. L'autre chose, c'est que lors de nos actions précédentes, nous avons pu amener beaucoup d'activités de sensibilisation sur l'arrêté interministériel et des forats avec les autorités administratives. Donc, c'est au sortir de ces rencontres-là que nous avions retenu 5 dispositions qui devaient être vraiment appliquées et après évaluées au bout de 6 mois. Et ces 5 dispositions sont l'obtention du livret sanitaire et signalétique, l'obtention du certificat d'aptitude, l'âge du cocher, la disposition relative à l'âge du cocher, la disposition relative à la surcharge des animaux, et la dernière disposition relative à la signalisation pour plus de sécurité lors de la circulation, surtout pendant la nuit. Donc ce sont ces 5 dispositions que nous avons partagées et nous avons élaboré une feuille de route pour le suivi de ces 5 dispositions. Et monsieur le gouverneur a souhaité que ces dispositions-là soient évaluées au bout de 3 mois. Donc ce sera au mois d'août. Nous allons procéder.